Ça va apporter de quoi? Ça apporte quoi pour les enfants, la réparation au niveau scolaire? Non, c'est faux. C'est un souci d'économie. Le premier arrivé là-bas, il a sa moto gratuite. Le ordinateur, il visait sur les fous. Avec la loi Buzyns, sera-t-il possible de soigner demain? Plus de 500 hôpitaux devraient être supprimés, transformés en hôpitaux de proximité. Des dispensaires sans urgence, sans maternité, sans chirurgie. Tout cela a supprimé 30 000 emplois dans les hôpitaux et les EHPAD, où les personnels sont épuisés faute de moyens. Rappelons notre revendication dans les EHPAD. Un agent pour un résident. Cela est nécessaire pour avoir des qualités de soins, un suivi et des animations convenables dans nos EHPAD, dans nos maisons de retraite. Le plan d'Armanin, c'est le démantèlement du statut. 120 000 suppressions de postes de fonctionnaires, abandon des pans entiers de missions de service public, y compris dans la justice, les finances, le travail. Alors n'hésitez pas à me dire le nombre de grévistes. Je sais qu'il y a beaucoup d'écoles qui sont fermées aujourd'hui. Hein? Des écoles partiellement fermées, aussi des collèges. Je crois même que les collèges aussi public, privé, lycéens, chômeurs, retraités, ensemble, frappons, frappons pour faire. Pour que nos légitimes revendications soient satisfaites. Avec les lits,
machiner. Jusqu'à satisfaction de leurs revendications. Public, privé, grève reconductible jusqu'à satisfaction de leurs revendications. Castaner, demande-moi un texte.